Yeah, or something. Okay. No, I'm to be happy. I didn't like that. I can't let them be hard. I'm not going to be the country. 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 Merci, applaudissez pour le président Amine. Maintenant, nous allons recevoir notre dame de fer. Bonjour, monsieur So Amadou Tidiane. On sait que vous êtes un combattant furieux depuis la Guinée-Conakry. Vous avez toujours combattu contre la malgouvernance du professeur Alpha Condé. Et aujourd'hui, vous continuez toujours de lutter, vous continuez toujours de dénoncer, aujourd'hui même ici aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous sommes là. Les Guinéens, tous les Guinéens sont là présents aujourd'hui devant les Nations Unies. Devant le siège des Nations Unies pour dénoncer vraiment la malgouvernance de Alpha Condé. Et quant à vous, qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Quels sont les motifs qui vous ont poussé vraiment à venir ici aujourd'hui? Oui, écoutez, nous sommes là aujourd'hui, c'est vraiment c'est un champion quand même, ouais. Très ravi d'être par ici. Donc, c'est pour ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Guinéens qui sont là et qu'on est vraiment contents de savoir ici aux États-Unis. C'est pour ça qu'on a réconforté les positions. Il faut vraiment savoir Alpha Condé est toujours là. C'est un crime. Comment est-ce que vous pouvez concevoir quelqu'un qui est présent là? Il y a des crimes dans son pays et que je vis de diriger laquelle est la vérité. Nous avons aujourd'hui des institutions pourries, nous avons une CENI pourrie, nous avons, excusez-moi de parler, nous avons une justice pourrie. Nous avons vraiment de pousser les dossiers, tout dossier qu'il faut toucher et il faut vraiment avoir des recours à ces pourries. C'est une bombe. Regardez aux États-Unis, un simple juge qui arrête vraiment de décret des présidents de la République. C'est ce qu'on appelle des États, c'est ce qu'on appelle des nations. Et non pas selon tout et qualifier sur les présidents de la République. C'est vraiment grave. Qui est vraiment le chef de l'agent a dit qu'il est prêt à venir vraiment témoigner par rapport au dossier du 25 ans. Mais on refuse qu'il rentre dans son pays et puis on veut tout mettre sur le dos de Toumba. Il veut d'ailleurs le faire taire, peut-être l'empoisonner, qui sait s'il va durer en prison là-bas. Nous savons tout ce qui se passe au pays, au-delà de tout aujourd'hui, les crimes planifiés par Alpha et sa police criminelle. Nous voyons combien de Guinéens ont été tués sous Alpha. C'est vraiment, ces gens-là, ils ne se gênent pas. Ils se disent, croyant, mais dites-moi, incroyable, quelqu'un qui a le cœur, quelqu'un qui a peur vraiment de vie, est-ce qu'il peut faire cette crime pareille, hein? Tuer des citoyens, ta propre population, et que ces policiers se promènent vraiment sans être inquiets. Mais vous savez, le plus souvent, en tant que ceux qui tuent ne coupent pas la mort, je vous assure qu'on va tuer. Mais le jour où, au moment où les citoyens sont en train d'enterrer leur cadavre de l'autre côté, et que de l'autre côté, les policiers criminels aussi sont en train de faire la même chose, je vous jure que tout est inquiet. D'accord, on a besoin de vous ici. Donc, c'est ça, et je suis là avec un de vous, M. Rara, que tout le monde connaît, il est là. On est prêt. Franchement,
le combat, nous allons le mener. Nous allons le mener et jusqu'au terme. Pour cela, un seul mot à dire vraiment aux combattants. Cesson, merci beaucoup. C'est un grand combattant quand même. Peut-être que lui me dépasse. Mais c'est normal quand même. Parce que au moment où il va finir, au moment où il va finir, il va finir, il va finir. 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 Il Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous, monsieur. Continue à attirer les gens. Hier, tu as attiré deux militants de l'Union européenne.